Le goûter des animaux. Bonjour les amis, je vais vous chanter un secret. Quand des mots blessent mon cœur, je peux calmer ma douleur. Je l'emmène en voyage, hop, on traverse les nuages. Et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles, le lutin, nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous. Épisode 1. Le mouton. Bonjour les amis, c'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles? Lutin Gilles. Coucou. Me voilà. Bonjour Audrey. Bonjour lutin Gilles. Bonjour les amis. Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter? Je ne sais pas, mais j'ai vu quelque chose par ici. Ah oui? Oh, une baleine. Mais non, c'est un mouton, il a des poils. Bah, c'est de la laine, donc c'est une baleine. Non, c'est un mouton quand même. Ah d'accord. Comment s'appelle-t-il? Je vais lui demander. Ah oui. Nuage. Il s'appelle Nuage. Ah oui, comme son pelage. Bonjour Nuage. Veux-tu venir t'asseoir avec moi? Ben oui. Oui. Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Es-tu bien assis, Nuage? Ben oui. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. Oui. La cacophonie bulle, c'est parti en musique. Voilà, c'est prêt. Tiens, André. Merci. Tiens, Nuage. Allez. Et si on buvait? Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Ah oui. Hé, petit Nuage, que veux-tu pour le goûter? Un loup? Ben oui. Il veut manger un loup pour le goûter. Alors on va te faire un goûter en forme de loup. Et pour le faire, on va prendre une crêpe. Et aussi une banane. Oui, et un petit pot de chocolate. Et maintenant, place au goûter. C'est parti pour un goûter en forme de loup. Je prends une crêpe. Je la plie en deux. Encore en deux et encore en deux. Puis, je prends une banane et je l'épluche. Je coupe d'abord deux rondelles, ce sont mes yeux. Ensuite, je coupe une des extrémités de la banane. Je la coupe en deux et je place chaque morceau au-dessus de la crêpe. Bonjour les oreilles! Maintenant, je prends un pot de chocolade et j'en mets une cuillère sur la pointe de la crêpe. Voici le museau. Petit plus. Vous pouvez recouvrir le contour des oreilles de chocolade et aussi le contour des yeux. Enfin, avec deux pépites de chocolat, on fait les pupilles. Et petit bonus, on ajoute une langue bonbon. Le goûter loup est prêt. Il te plaît, Nuage? Oh, mais où vas-tu? Je crois que Nuage joue à saute-mouton.
Bon appétit, Nuage. Waouh, Nuage, tu as tout mangé. Tu avais vraiment une faim de loup. Ben oui. Et si pour digérer, on chantait une comptine sur un mouton? Oh oui, toi tu chantes et moi je bouge les mains. Ok, alors je prends mon mini piano et c'est parti. Un mouton dort parmi les boutons d'or, les yeux fermés comme le vieux fermier. C'est le repos pour lui et son troupeau. Dormez bien sous votre laine, dormez bien tous dans la plaine. On la refait? Oui. Super, plus vite. Un mouton dort parmi les boutons d'or, les yeux fermés comme le vieux fermier. C'est le repos pour lui et son troupeau. Dormez bien sous votre laine, dormez bien tous dans la plaine. À chanter, ça fait du bien. Oui, et aussi bouger les mains. Oui. Est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux, petit nuage? Ben oui. Et toi, Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire. Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Donc tu reviendras au goûter des animaux? Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter. Au revoir les amis.